plaisait un petit peu quelque part, ce qui est bien dommage. Pernel Caron, Mathieu Jost sur la glace maintenant pour l'avant-dernier couple, les Lyonnais. Quatrième après l'imposer au Steak Canada, troisième au final. Beaucoup de talent pour ces Lyonnais également qui vont patiner sur les Nocturnes de Chopin. S'étendre. Pernel Caron, Mathieu Jost en l'absence, hein,
dû au forfait de Fabien Bourza et Nathalie Péchala, Fabien se faisant peut-être opérer de ménisque, c'est pas sûr encore, ou étant en repos avant les championnats d'Europe, ce sont les dauphins Nathalie de Vlaschenfelder. Oui, ils ont beaucoup progressé. Et on parlait tout à l'heure du programme des patineurs précédents, des danseurs précédents. Ah, c'est revenu dans du classique, là. Hein, là, on est revenu dans du classique, mais on est revenu dans du classique et il y avait quelque chose de très magique aussi, parce que ce sont des patineurs de grand talent et qu'ils ont une fluidité dans leur patinage. Énormément de technique, vous le disiez, beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion aussi, mais c'est très frais. Moi, j'aime beaucoup. Et puis des choses très difficiles, là vous voyez au ralenti se porter, mais qui nécessitent une grande technicité. Et puis ça se déplace, c'est vif, on n'a pas l'impression qu'il nous présente des choses difficiles. Et pourtant. Un couple formé seulement depuis 2 ans, qui a donc une marge de progression. Oui. 2 excellents patineurs individuels et qui ont la possibilité, qui vont avoir la possibilité dans les années futures de grimper, à mon idée, sur les plus hautes marches du podium européen. Voilà, alors que l'on revoit au ralenti des portées merveilleux. Un couple qui a de la personnalité. Oui, absolument. Alors, ils s'entraînent tous les deux à Lyon, sous la responsabilité de Muriel Zazoui et de Romain Hagenauer. Voilà. Et Mathieu, lui vit avec Vanessa Gusmeroli, le saviez-vous, Christophe? Vous souvenez-vous de Vanessa? Il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance, oui. Voilà. Et puis, non, je dois dire que, bon, alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils ont participé à 2 Grands Prix et qu'ils se sont classés dans les 10 premiers au niveau de cette finale. Seulement les 6 premiers couples vont en finale de Grand Prix, mais c'est déjà fort honorable. Et moi, je crois beaucoup en ce couple. Ils ont un avenir certain. Allez, sur la glace, en ce moment, il y a le grand blond et la petite brune de Lyon qui sont à l'échauffement. Ça va être sympa. Et on a parlé un petit peu fort, malgré les micros et l'ambiance, ils ont entendu. Ils nous ont regardé, on fait un petit sourire, c'était sympa. Et ils sont prêts, ils sont chauds. Pernel Taron et Mathieu Jost attendent les notes. Pernel Pessine à Mathieu. Allez, relève la tête, ne te déchausse. Du couple que nous allons suivre, ils sont pour l'instant classés premiers. Vous le voyez, Pernel et Mathieu se classent premiers du classement provisoire. Mais bon, sans grande surprise, hein, il faudrait réellement que Isabelle et Olivier...